أيها الإخوة والأخوات، حديثي إليكم اليوم إننا نعيش يوم عيد من هذه الأعياد التي تخص الحياة الاجتماعية، إننا نعيش يوم اسمه عيد العمال أو عيد العمل، تختلف التسمية، وكل الأنظمة تدعي أنها تحمي حقوق العمال، وضعت قوانين خاصة بالعمال، وتختلف هذه القوانين من بلد إلى بلد. ففي فرنسا مثلا أو في معظم بلاد أوروبا هو أول مال، وفي البلدان الأخرى هو يوم آخر. Je disais, on est en train de vivre une journée exceptionnelle, une journée qui s'appelle la fête du travail, ou la journée mondiale des travailleurs. Cette journée a été instaurée suite à des manifestations, etc. On ne va pas rentrer dans l'histoire du 1er mai. Des systèmes ont imposé, ont mis en place le droit du travail, la protection des travailleurs. Et vous voyez, vous allez voir que c'est différent d'un pays à l'autre. En France et en Europe, c'est le 1er mai. Dans les pays anglo-saxons, d'autres pays, ce n'est pas le 1er mai, etc. etc. المهم هذا الإنجاز جاء عن تضحيات رجال ونساء استغلوا في أعمالهم وأكلت حقوقهم استطاعوا أن يكتسبوا على الأقل أنهم يعملون ثمان ساعات في اليوم. Je disais, cette journée, ce droit du travail, c'est le sacrifice d'hommes et de femmes qui ont été exploités durant des années et des années. Et avec tout ce sacrifice, ils ont réussi à obtenir, au moins obtenir, le droit de travailler 8 heures par jour. 8 heures par jour. Travailler 8 heures par jour. لكن لا يظن البعض أن الأمر في تحسن بل تدهور والدليل كثرة البطالة. غلقت شركات عالمية وتحولت إلى بلدان يعمل فيها العمال أكثر من 16 ساعة في اليوم، ومرتبهم قد يصل إلى 30 أورو شهريا. نعم 30 أورو شهريا. Je disais, les gens pensent que la situation s'est améliorée. Certes, il y a un droit du travail, mais ça s'empire maintenant, car les grandes sociétés ont réussi à trouver des astuces pour contourner ce droit du travail. Et bien sûr, ils ont délocalisé leur société dans des pays où il n'y a ni droit du travail, ni horaire de travail. C'est du pur esclavagisme, si on peut dire le terme. Donc ils ont délocalisé vers des pays où les travailleurs travaillent. Écoute bien, toi tu travailles ici en France 35 heures par semaine. Ils ont délocalisé vers des pays où ils travaillent plus de 16 heures par jour. Et ils ont un salaire de 30 euros par mois. Dis Alhamdulillah. Oh Alhamdulillah, il y a des frères, ils ont des salaires un minimum de 1700 euros par mois. Dis Alhamdulillah, 30 euros par mois. La hawla wa la quwwata illa billah. 30 euros par mois, 16 heures de travail, aucune pause, ma cache la pause, tu travailles 16 heures. Nara ummal uridu bila sabab, ou bi sabab maradin. Wa hadha al marad natij 'an al dhuruf al qasiya. Fa nara al sharikat al kabira la ta'tarif bi hadha al 'ajz wa bi hadhihi al i'aqa fa tarfudu al ta'wid أو تتماطل في التسديد أو تسديد التعويض أو تعوض وتعويض
وتعويض وهذا التعويض لا يساوي السنين لا يساوي السنين التي قضاها هذا العامل في ذلك المصنع. On a vu que des grandes sociétés licencient des gens comme ça sans cause ou licencient la personne parce que elle est tombée malade et à lui de prouver que cette maladie est liée à son travail. Donc il y a des dédommagements. Il va demander des dédommagements. Des dédommagements. Soit la société elle lui rembourse, elle le dédommage, ou sinon, elle ne reconnaît pas cet handicap et elle le laisse comme ça sur le côté. Ayyuha al-ikhwa wal-akhawat, hadhihi hiya ra's al-maliya. C'est ça le capitalisme. Hadhihi hiya ra's al-maliya. Al-waqt huwa al-mal, wal-mal huwa al-waqt. C'est ça le capitalisme. L'argent et le temps, c'est de l'argent. Donc, les grandes sociétés veulent du rapide, veulent un profit rapidement, veulent faire rentrer de l'argent rapidement. والإنسان بطيء. الإنسان إنسان بشر يتعب فلا نحتاج إليه. نعوضه بآلة. نعوضه بآلة. L'être humain il est sensible. L'être humain est en malade. L'être humain il doit se reposer. Non. On doit le changer avec un robot. Le robot il ne se repose pas. Et s'il tombe en panne, on le répare. Mais un homme, il tombe pas en panne, il tombe malade et il devient coûteux. On le met sur le côté. Naam. Nuhawwiluhu bi'ala. Ou fi makanihi ala. Naam. Ayyuha al-ikhwa wa al-akhawat, na'ish al-yawm 'id al-'ummal. Wa fi Fransa qad balagha عدد البطالين أكثر من 3 مليون ونصف بطال في فرنسا و 20 مليون بطال في الاتحاد الأوروبي أما في العالم فقد يصل إلى 215 مليون بطال نعم عيد العمال عيد العمال مي aujourd'hui c'est la fête du travail la journée internationale des travailleurs mais en France il y a 3 millions 5 de chômeurs et en Europe 20 millions de chômeurs et dans le monde 215 millions de chômeurs. Pourquoi ce chômage? Pourquoi ce chômage? وفي نفس الوقت شركات عالمية تصدر أو شركات عالمية تبيح بأرقامها بأرباحها وهي أرقام خيالية. في نفس الوقت en même temps les grandes sociétés les multinationales déclare leurs bénéfices. Des chiffres, subhanallah al-azim, tu dis c'est pas possible. Ils déclarent des bénéfices et ils ferment leurs usines. Ils déclarent des bénéfices et ils ferment les usines. Ils déclarent des bénéfices et ils délocalisent. Le droit du travail, ça s'appelle. Naam, tanaqud. Innana na'ishu fi tanaqud, alaysa kadhalik? Nahnu na'ishu fi tanaqud, na'ishu fi kadhib, kadhib ala kadhib. On est en train de vivre le mensonge. Purement et simplement, les gens, les grandes sociétés mentent. Yakdiboun al-nas. Subhanallah. Ce n'est pas un prêche syndicalisé. Faites attention. Idha sa'alta insan, hal turid an ta'mal, hal turid an tashtaghil, aw tasriq, fa yaqul la, urid an a'mal, an ashtaghil. Yaqul urid an ashtaghil. وهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. الإسلام أيها الإخوة والأخوات أرشد ودعا إلى العمل. لا يوجد في الإسلام بطالة. لا يوجد في الإسلام بطالة. فالذي يعمل ويسعى للكسب الحلال حتى يعفى نفسه عن المسألة أو أكل الحرام. Chers frères, chers sœurs, si tu dis à une personne, tu lui dis est-ce que tu veux travailler ou tu veux voler? Tu dis non, أعوذ بالله, moi je veux travailler, je ne veux pas voler. Ça c'est Allah Azza wa Jalla l'a mis en nous, c'est naturel. La personne veut travailler, la personne veut se nourrir, la personne ne veut pas mendier, la personne veut travailler, veut avoir un salaire, veut être stable socialement, nourrir sa famille, se marier, avoir un toit. C'est normal, c'est naturel chez n'importe quelle personne. Elle n'a pas de différence, mais il ne faut pas qu'il soit musulman ou juif ou chrétien. Non, c'est naturel, l'être humain. L'islam, maintenant l'islam, a incité les musulmans, incité les musulmans à inciter l'être humain à travailler.
Tu dois travailler, mon frère. L'islam est contre le chômage. L'islam est contre la mendicité. L'islam est contre l'assistanat. Tu dois travailler, mon frère. Tu dois travailler. Tu me dis, mais attends, il y a le chômage, mon frère. Comment tu veux que je travaille? Fasayallahu amalakum. Œuvrez, chers frères, chers sœurs, œuvrez. Allah Azza wa Jal est en train de voir ce que vous faites et vous serez récompensés sur cette terre et le jour du jugement. Tayyib. Al-Qudwa. Man hum al-Qudwa. Al-Anbiya wa al-Rasul. Wa ala rasihim al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Notre référent, nos référents, c'est qui? C'est les prophètes et les messagers. Et à leur tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Anbiya wa al-Rasul. Les prophètes et les messagers avaient un métier. Chaque fois j'oublie le chef. Avaient un métier. Avaient un métier. Les prophètes et les messagers avaient un métier. D'accord. On commence par qui? Par Adam alayhi salam. Vous allez voir que dès le début, le père de l'humanité, Adam alayhi salam, a retroussé les manches et a commencé à travailler. Adam alayhi salam, les darwinistes qui nous disent que Adam il était là, perdu sur cette terre, il marchait à quatre pattes et après il a... Non, Adam alayhi salam connaissait tout, car Allah azza wa jalla lui a tout appris. Halal, haram, yajouz, la yajouz, ard, bahr, jibal, shajar, il est akhiré. Ard, ahrat. Fa Adam alayhi salam, kana fallah. Yaharuthu l'ard bi nafsihi, wa tusa'iduhu zawjatuhu Hawa. Adam alayhi salam, travaillait l'agriculture, était agriculteur. Et Hawa l'aidait dans ce travail. Adam alayhi salam, na'am. Wa kana nabiyullah Idris. Idris, le prophète Idris, le message, le prophète Idris alayhi salam, kana khayyatan. Khayyat était un, le prophète Idris était un tailleur. Na'am. Wa Nuh alayhi salam, kana najjan. Nuh alayhi salam était menuisier, était ébéniste. Il a bien mis en place et fabriqué l'arche. وكان إبراهيم عليه السلام بناء. إبراهيم عليه السلام était et travaillait dans la construction. Et quand elle a construit الكعبة, et إسماعيل عليه السلام l'a aidé. وكان إلياس, نبي الله إلياس, كان نساجا. كان نساجا. Il tissait, il travaillait, il tissait les tisserands. وكان داود عليه السلام حدادا. داود عليه السلام était forgeron. Il fabriquait des boucliers. سبحان الله العظيم. وكان موسى عليه السلام راعي غنم. موسى عليه السلام était berger. وكان عيسى عليه السلام يعمل بالطب. وعيسى travaillait dans la médecine. Il était pas médecin, mais il travaillait dans la médecine. Il aidait les gens. نعم. وكان محمد صلى الله عليه وسلم منذ صغره راعي غنم ثم بعد ذلك تعلم التجارة مع عمه الذي كان يأخذه في أسفاره ثم عمل بالتجارة في مال خديجة رضي الله تعالى عنها. محمد صلى الله عليه وسلم travaillait berger tout petit, il avait 6 ans, travaillait berger. Ensuite il a voyagé avec son oncle Abu Talib et il a appris le commerce et ensuite il a travaillé en tant que commercial chez Khadija radiallahu anha avec son argent. Bien sûr, Khadija radiallahu anha a investi son argent et celui qui est son commercial était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aqulu qabli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات، إننا نعيش في هذه الديار
وأصبح هناك مسلمون أرباب أموال dans ce pays. Certes, des musulmans sont devenus des chefs d'entreprise, sont devenus, ont investi leurs richesses dans des sociétés, dans des SARL, dans des commerces, etc., etc. Donc ils sont devenus patrons et ils gèrent une société. Donc ils sont des travailleurs. Maintenant le message il est pour vous mes frères, les millionnaires. S'il y a des millionnaires ici dans la mosquée, il y a des baraques, moi on fait comme vous aider la mosquée, baraques, moi on fait comme. استثمروا إما في شركات وإما في محلات تجارية. يا من تستأجرون عمال، قال الله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. Tu as des travailleurs mon frère. Tu as sous ta responsabilité une équipe des travailleurs. بارك الله فيك mon frère. Ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû. Fais très attention mon frère. Vous avez signé des contrats avec ces travailleurs. Si tu lui as, si dans le contrat tu as mis que tu vas lui donner 1340 euros, tu dois lui donner 1340 euros. Tu lui dis pas que tu donnes 1100 et après on verra pour le reste. Non mon frère. Tu lui dis tu travailles 8 heures, il travaille 8 heures. Il travaille pas 9 heures, il travaille pas 10 heures. Parce que Zahma c'est ton frère, fait dire. Non. Mets de côté le deal. Maintenant, on est en train de parler. Chourou, condition. Il y a un contrat, mon frère, qui a été signé, que chacun des deux parties le respecte. Barakallahu fikou. Isma. Isma, isma al-hadith. Fi sahih muslim, an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, wa huwa hadith al-Qudusi. Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fima yawihi an Rabbi. Qala ta'ala. Isma. Hatta anta isma. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que Allah عز وجل a dit dans un hadith qudusi, je suis l'adversaire de trois catégories de gens le jour du jugement. Le premier, اسمع le premier. رجل أعطى بي ثم غدر. لا حول ولا قوة إلا بالله. Un homme qui jure par moi et ensuite il ne tient pas sa parole. سبحان الله وما أكثر هذا الشيء في وقتنا. يجي والله بيني وبينك الله ثم يغدر. Il te demande de l'argent, il te demande que tu lui donnes, que tu lui prêtes de l'argent, et il te dit n'aie pas peur. Entre moi et toi, il y a Allah, maîtresse. Allah est le garant, je te rembourserai. Il te remboursera jamais. أعوذ بالله. Et il met entre toi et lui Allah عز وجل. سبحان الله الناس maîtresse. Les gens maintenant ils ont plus peur. Hadji. Deuxième catégorie de gens, un homme qui a vendu un homme libre et ensuite il a consommé cet argent. Subhanallah al-Azim. Et vous avez vu, ça existe dans les réseaux. Dans les réseaux de la mafia, bon, il y a des pays musulmans aussi qui sont impliqués dedans. Il va, il ramène comme ça une fille ou un garçon libre et il le vend à un réseau. Et subhanallah. Hajib. La hamla wa la quwwata illa billah. Wa shahid fil hadith, hadha alladhi khussuna wa rajulun. استجار أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا لا حول ولا قوة إلا بالله. Troisième catégorie, un homme qui a employé un ouvrier et qui a exigé, cet ouvrier a exigé son dû en totalité mais qu'il n'a pas été payé. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يخصمك, الله يخصمك, استغفر الله يخصمك يوم القيامة. الله عز وجل sera en colère contre toi mon frère si tu fais travailler quelqu'un et tu ne lui donnes pas son salaire à 100%. Tu lui as dit 1000 euros, tu lui donnes 1000 euros. Si tu lui donnes 999, Wallahi, tu es injuste. Alash, Hakko, c'est son droit. Yahri, c'est toi qui as dit. C'est toi qui as signé le contrat. Iyaka wa iyaka akhi ukhta. Il y a même aussi des sœurs qui sont businesswomen. Naam. Des chefs d'entreprise aussi. Il y a des sœurs qui sont chefs d'entreprise. La tamna haqq hadha ar-rajul aw hadhihi al-mar'a aw alladhi 'amila 'indak tamna'uhu tanqusuhu tatamatal fi i'ta'i ajrihi. Tu fais tout ton possible pour retarder le salaire, tu lui donnes la moitié du salaire, tu lui donnes rien du tout. Alash mon frère, de quel droit? Hal hiya shatara min 'indak? Parce que tu es malin, tu veux t'enrichir sur le dos des pauvres.
tu profites de la misère des gens. Hélas, mon frère. Limana. Hélas. Hélas. Il a travaillé. Donne-lui son dû. Barakallahu fik. Ayyou al-ikhwa wal-akhawat. Inna l'islam dhamina hadha al-haq. Wa dhamina haqqan akhar. Ma huwa hadha al-haq. L'islam a protégé le travailleur avec ses droits. Na'am, tu dois lui donner son salaire. Et l'islam a protégé aussi un deuxième droit. C'est quoi? Le repos. Le repos. Ar-raha. Ar-raha. Yajib an yirtaha al-amal. Al-amal. Le repos. Ce travailleur, il doit se reposer. Subhanallah al-azim. Falimada tastaghil faqrahu. Walimada tastaghil khawfahu. Walimada tastaghil a'jamiyatahu. Pourquoi, mon frère, ma soeur, tu profites de ce travailleur? Pourquoi tu profites de sa misère? Tu le fais travailler 12 heures non-stop. Pourquoi, mon frère, il doit dormir sur le lieu de travail? Il doit manger sur le lieu de travail. Hélash, Hélash, c'est ton esclave? L'imam, Hélash, il travaille 12 heures. Hélash, pourquoi tu lui fais rentrer le loyer dans le salaire et le salaire dans le loyer de la chambre? Hélash, c'est quoi cette malice? Hélash, Hélash. Et à la fin du mois, tu lui donnes 100 euros, tu lui dis, c'est ça ton salaire. Parce que tu as mangé chez moi, tu as dormi chez moi, tu as fait ci, tu as lavé des vêtements chez moi. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas parler français. Hein? C'est pour ça que tu profites. Hein? Parce qu'il est clandestin, hein? Il n'a pas de travail, il n'a pas de papier. Ah, tu profites, hein? Ah, et tu le menaces, tu lui dis, chut, tu te tais, sinon j'appelle la police. Et t'excuses. Et Yada, ils l'ont fait. Ils ont travaillé sur des chantiers. Ils ont profité d'eux. Et après, ils ont appelé la police. Et ils ont été expulsés. Et lui, il a empoché, c'est même pas 1000 euros. Des centaines et des centaines de milliers d'euros. Alors, tu crois parce que tu as profité sur... Wallah el adine, tu le payeras sur cette terre. Et le jour du jugement. Non. Que ça soit un musulman ou un non-musulman, Wallah, et tu le payes. Hakku. Hakku, Wallah, tu vous... Il y a des gens, ils font pleurer les gens. Ils font pleurer des hommes sur les chantiers. Allez, je les mets. Non, je te paye, moi. Fais ce que tu veux. Hein? Parce qu'il n'a pas de papier. Parce qu'il ne connaît pas ses droits. Tu profites sur lui. La ilaha illallah. Allah, le repos. Isma, Shu'aib alayhi salam. Vous connaissez Shu'aib alayhi salam? Quand vous rentrez, inchallah, vous allez lire la biographie de Shu'aib alayhi salam. Vous savez, il a fait travailler quelqu'un. Vous savez qui? Un travailleur. Vous savez qui? Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam a travaillé chez Shu'aib alayhi salam. Shu'aib a profité de lui. Vous savez ce qu'il lui a dit? Qala wa ma uridu an ashqa alayk. Wallahi, la uridu an ashqa alayk. تحب تخدم 8 سنين تحب تخدم 10 سنين لا اشق عليك tu es حر انت حر tu veux travailler 8 années ou 10 années et je te fais marier une de mes filles. Ouais, vous trouvez des chefs d'entreprise comme cela? Non, je ne veux pas cependant rien t'imposer d'excessif. Le repos, laisse-le se reposer, mon frère. Laisse-le se reposer, c'est un être humain. Laisse-le se reposer. Ne lui dis pas non, tu travailles 12 heures non-stop. Pas de pause cigarette ou la pause salade ou la pause repos ou la pause rien. Alors, l'imam, on a bien donné des pauses cigarettes à des gens qui profitent de ces pauses cigarettes. Alors, tu ne lui donnes pas une pause, mon frère. L'imam, donne-lui une pause, dis-lui d'aller boire un café, d'aller se reposer un peu. Alors, non-stop, debout, ne t'assois pas, travaille, viens, monte. Alors, l'imam. أيها الإخوة والأخوات، نحن نعيش في عصر مطالبة الحقوق، وهذا حق شرعي وعقلي وعرفي. On est en train de vivre un temps où les gens demandent leurs droits. C'est vrai, vous avez le droit de demander vos droits. Mais les gens ont oublié qu'ils ont des obligations. Maintenant, je vais contre-attaquer maintenant les travailleurs. N'ayez pas peur. Chacun aura son compte aujourd'hui, inchallah. Al-Ummah, les travailleurs, vous avez des obligations, mon frère. نعم نعم أراد الناس أن يسترجعوا حقوقهم لأن هذه الحقوق هضمت ولهم الحق، لكن في نفس الوقت نسوا أن عليهم واجبات. Vous avez des obligations. عقود وقعت، شروط قبلت، فلماذا عدم الوفاء بها؟ Tu as signé un contrat, mon frère travailleur. Tu as signé un contrat. Tu as accepté les conditions.
pourquoi tu fais le contraire de ce qui a été signé dans ce contrat? Et pourquoi tu interprètes comme tu veux ce contrat? Tu dis, du moment qu'il me donne une petite paye, eh bien, je vais arriver en retard. Du moment qu'il me donne une pause pour aller faire salat, eh bien, je vais faire salat 20 et 9 il a 12 rak'at. Même qalalek. Tu vas faire les ablutions, tu mets 10 minutes, 20 minutes pour faire les ablutions. Alèche, tu profites. Il t'a donné une pause, fais ta salat et reviens. Et dis alhamdoulilah que tu fais salat. Mon frère, Allah peut t'enlever ce bienfait. Un chef d'entreprise qui t'autorise à faire salat, tu vas faire salat, tu ne reviens pas. L'imam, pourquoi? Tu te sers de la religion? لماذا الحيل في وقت العمل ولماذا أصبح العامل يمرض كل شهر؟ Pourquoi mon frère tu tombes malade tous les mois? Comme par hasard tu n'es jamais tombé malade, mais dès que tu as signé un contrat de travail tu tombes malade tous les mois et tu profites du congé malade. لماذا? Pourquoi les gens sont devenus malins? Pourquoi les gens sont devenus malins comme ça? لماذا? Prends ton droit mon frère et ne sois pas et ne prends pas ce que n'était pas dû. أيها الإخوة والأخوات كن قوي أمين mon frère ma soeur sois fort et digne de confiance. C'est tout ce qu'on te demande. Sois fort, travaille bien et sois digne de confiance. Si tu n'es pas fort, tu fais n'importe quoi dans le travail et si tu n'es pas digne de confiance, eh bien cette société elle va déposer le bilan et toi tu vas te retrouver au chômage. Et je ne pense pas que tu acceptes cette situation. أيها الإخوة والأخوات الإسلام يريد أن يتسود المحبة بين صاحب المال والأجير. L'islam il veut que de la miséricorde et de la bonté entre le chef d'entreprise et le travailleur. Et vous avez l'histoire de les trois qui sont rentrés dans la grotte et un rocher a fermé ou a bouché l'entrée de cette grotte. On ne va pas citer tout le hadith. Il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Min Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiallahu anhuma. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بعمل بصالح أعمالكم. Donc les trois sont rentrés dans cette grotte et le rocher a fermé l'entrée de cette grotte et ils ont dit on doit demander à Allah Azza wa Jal de nous secourir. Mais on doit, chacun de nous doit réfléchir. Peut-être il a fait une action, une bonne action pour Allah Azza wa Jal, exclusivement pour Allah Azza wa Jal, sincèrement pour Allah Azza wa Jal, qui lève les mains et qui demande à Allah Azza wa Jal. Ils étaient trois. Je ne vais pas citer tout le hadith. Le premier, il a levé la main, il a fait un dua pour une action qu'il a faite pour Allah Azza wa Jal. Le rocher s'est déplacé. Le deuxième a fait la même chose, mais ils ne peuvent pas sortir. Le troisième, c'était un chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé ses mains et il a fait dua. Il a dit, Ya Allah, j'avais un travailleur chez moi, où j'avais des travailleurs. Je les ai payés. Un d'eux n'a pas pris son salaire, il est parti. Il est parti. Et il est revenu après un temps, un certain temps, il est revenu pour demander son dû, son salaire. Ya Allah, son salaire, je l'ai investi. Je l'ai fructifié. Et il a rapporté. Quand il est revenu, il a dit, donne-moi mon salaire. Il lui a dit, ton salaire, c'est ces chamelles, ces vaches, ces pâturages, c'est ce blé. Tout ça, c'est à toi. Il lui a dit, tu te moques de moi? Je te demande mon salaire, tu me dis, tout ça est à toi. Il lui a dit, ton salaire, je l'ai fructifié. Et voilà ce qui a été donné. Voilà ce que ça a donné. Tout ça est à toi. Et donc ce travailleur a tout pris. Et il est parti. Et les deux ont accepté cette situation. Et le chef d'entreprise a dit, Ya Allah, si je l'ai fait pour toi, Ya Allah, fais en sorte qu'on sorte vivant de cette grotte. Et le rocher s'est déplacé et ils sont sortis. C'est ça ce qu'on veut. On veut Hadil Mahibba. On veut cette miséricorde. On veut cette bonté entre le travailleur et le chef d'entreprise. Que chacun des deux accepte et met en pratique les droits et les obligations. Allahumma ij'alna 'ammal mukhlisin. Ya Rabbi, ij'alna 'ammal mukhlisin. Allahumma ij'alna nu'addi wajibana wa la taj'al huquqana tuhdam ya Rabbil 'alamin. Allahumma ya dhal jalali wal ikram, ya dhal tawli wal in'am, barik lana fi amwalina wa ahlina wa awladina
وأعمارنا وأعمالنا وأوقاتنا وخطبنا، وبارك لنا في مساجدنا، وبارك لنا في دعوتنا هنا في فرنسا. اللهم بارك لنا في هذه الدعوة يا رب، اللهم بارك لنا في هذه الدعوة يا رب، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا يا رب العالمين، اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واغفر ذنوبنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فبارك الله فيكم. Je vous demande, ça fait longtemps que je vous ai pas demandé, participer financièrement à la gérance de cette mosquée. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Chez chacun de nous, dans 10 euros, 20 euros tous les vendredis, wallahi al-azim, tout fonctionnera normalement. Fa barakallahu fikum. A'tou wa la takhshaw al-fakhr. Fa inna Allah azza wa jal sayukhlifuhu lakum imma fi amwalikum, yubarik lakum fi amwalikum wa imma yubarik lakum fi awladikum. فبارك الله فيكم، لا تبخلوا وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.